Merci à ma femme qui m'a fait regarder cette série. Pas ici. Mon père était un excellent. Rattrapez-le. Là-bas. Ok, on le teste ou pas? Est-ce qu'on le teste? Alors, il y a combien de trucs? Deux. Ah, ça va. Ok. Ok. Il y en a combien? 3. Ok. Je déteste ça. Je déteste ce truc, les gars. C'est pas tendu le pied. Oh, la délivrance, mon frère. Tout ça pour avoir. 1500. Mais je me fouille le cadavre, il va me donner 2000. C'est trop ça. Comment tu trouves-tu GTA 5 sur PS4? Il est très très bien. Alors, j'aurais besoin d'un avis, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un avis très 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 important. Breaking news, attendez tout, stoppez tout ce que vous faites. Double Dragon, quoi. What the fuck, j'ai pas suivi, mais j'aime. Est-ce que ça vous intéresse que je refasse le let's play dans son intégralité sur GTA V, où les gens s'en battent complètement les steaks, sachant que je l'ai déjà fait sur PS3. Alors, est-ce que ça vous intéresserait que je le refasse sur PS4 avec un maximum de vues FPS et un maximum, je l'ai bien dit, je pourrais pas tout le temps jouer au jeu, quoi, jouer avec cette vue, parce que des fois ça me donne la gerbe, mais je pourrais essayer de le faire le maximum possible. Donc, est-ce que ça vous intéresse, ou est-ce que vous êtes vraiment que pour du online? Et que le solo, en fait, vous en battez les cacahuètes complètement. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir directement en message sur la vidéo de les vidéos que j'ai sorties sur GTA, ou directement ici, hein, si vous avez envie de me le faire. Ouais, ça vous intéresse? Déjà, je vois des oui, ok. Parce que moi, je le fais avec plaisir, c'est pas le problème. C'est juste que j'ai peur que les gens s'en foutent, en fait. Et comme le plus important, c'est que c'est vous, ça vous concerne. C'est pour vous que je fais les streams. Moi, ça me plaît, mais après, ça m'est égal, en fait. Donc... Fais le let's play, ouais, ça serait cool, ouais, refais-le, d'accord, ok. Donc ça va, je voulais juste savoir. Après, là, c'est via Twitch, je verrai ce que les gens me diront sur les rediffs sur YouTube, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de cet avis-là. Je voulais juste avoir une petite... voilà... Des avis, quoi. Vous savez que je fais rien sans vous, comment dire? Ouais, je fais quand même des choses sans vous, mais... non, je fais rien sans vous, je vous demande tout le temps, est-ce que ça vous plairait, est-ce que ça vous plairait pas. C'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre, les gars. Mais c'est exactement ça, en fait, John Gamer. Moi, c'est... Voilà, c'est Chadji, exactement la même chose que je pense, en fait. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop de le faire. Après, c'est GTA, donc ça reste GTA. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je suis un poisson rouge, donc ça fait plus d'un an que je l'ai pas fait. Il a fait quoi, là? Ça fait plus d'un an que je l'ai pas fait, donc la moitié d'émission, je me rappelle plus. Donc ça peut être cool de le refaire en FPS. Après, tu sais, ça fera toujours des lives, des trucs à faire, quoi, en live, quoi. Des fois, il fait des actions, mon frère, quoi. Mais laisse tomber. Ouais, Squatterman, tranquille, quoi. Bah, c'est cool, Bigomat. S'il te plaît, mec, c'est l'essentiel, gros. Let's play sur Dragon Age, alors me parle pas de ce jeu s'il te plaît, mec. Déjà, je suis en folie, mais quand je te dis je suis en folie, si j'avais pas commencé assez et tout ça, je serais déjà en train d'y jouer, mec. Je suis comme un fou, on dirait un enfant qui veut jouer à un jeu. J'ai hâte de commencer ce Dragon Age, je vous le dis, les gars, j'ai vraiment vraiment hâte. Et j'hésite encore à prendre soit un humain soit un elfe, sachant que je veux jouer mon personnage mage. Donc je suis à deux doigts d'appuyer sur Alt F4 pour faire du Dragon Age. Non, je rigole. Dragon Age, il est dispo depuis aujourd'hui, Neiwa. Bon, regardez sur YouTube, j'ai déjà posté une vidéo dessus sur la découverte. Ok, merci, Targa. Alors, tu n'as pas chômé, on dirait. J'ai traqué l'homme qui a tué ton père, oui. C'est impossible. Il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a 2 ans.
Je l'ai vu. Quoi? Quand? Où puis-je le trouver? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Elise. Quoi? Tu cherches à me protéger? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Je ne fais pas confiance aux assassins. Et moi, tu me fais confiance? Je n'ai pas tellement changé, Elise. Je suis toujours le gamin qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pommeraie infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. D'accord, donc il lui a parlé en tant qu'assassin. Elle a vu que genre elle ne parlait pas, elle faisait pas confiance à l'assassin. Donc alors, il a levé son masque pour lui dire que c'était lui derrière le masque et que il lui a ouvert son cœur. Mais elle s'en bat la race. Serait-ce? Maudit Templier. Mais que fait-il? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. Deux virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu? Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer, donc tu la ramènes ici. Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence! Eh bien, qu'avons-nous ici? Bonjour, Arnaud. Je m'appelle... Au nom du ciel! Retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'ordre des Templiers. Je suis venu vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat? Il le faut, et nous le ferons, maître Guémard. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre ait une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serais pas adressée à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Belek, il suffit! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Tout va bien, j'espère. Les cinématiques sont super bien faites, attention, franchement. La limite. Ouais, la limite, franchement, même les musiques, elles sont super belles. J'ai écouté un petit peu l'OST. Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patient. Attends, Mirabeau va les raisonner. Tu penses vraiment que je ne redemanderai pas? Sors-toi, oh, si tu n'iras pas former. Toi, tu vas trop loin. François Germain pensait que la première était... Oui. Où est-il? Au calme. La boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi? Élise! Oh, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Attends-moi! Élise! What? Élise Larousse! Paul de Carotte, attends-moi!
Pourquoi tu décélères? Accélère, je suis derrière toi, je prends l'aspiration. Pas si vite. Faut la plaquer ou quoi? Plaquage. Oh, plaquage. Élise, non, pourquoi tu te téléportes? Oh, j'ai mal aux yeux d'un coup. Changement de luminosité m'a tué là. Genre sombre. Alors, pour la petite rébellion qui est en train de se dérouler sur le chat, non, c'est moi qui vous ai donné la puce à l'oreille comme ça et tout. Je suis une personne qui, quand je commence un let's play sur un jeu, qu'il soit bon ou mauvais, je suis quand même pas dans l'obligation, je fais ce que je veux, hein, mais je me dois quand même de terminer le let's play pour toutes les personnes qui suivent l'aventure. Donc vous inquiétez pas, il y aura du Dragon Age très prochainement quand on finira ce. Quand on finira ce let's play sur AC, ne vous inquiétez pas. Il y en aura, vous inquiétez pas l'équipe. Mais pour le moment, on est sur AC Unity. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi ? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques de Molay, je n'en suis plus sûr. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé la nouvelle ? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Personne. En haut, c'est là qu'il avait son atelier. Allons-y. En haut, tin. Ce n'est peut-être pas le même Germain. En bas. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes. Oui, bon, c'est probablement le même. On dirait qu'il n'y a personne. Lol. Élise. Ne me dis rien. C'est un piège. C'est un piège. C'est voilà. Les bruits, frère. Tu as de la suite dans les idées. Je refais bien les mecs qui meurent, non? Eh bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Oh, Bloodborne le 25 mars. Oh, c'est stylé ça. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durait pas. Alors on l'a de nouveau perdu. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermé. Peut-être qu'on peut... vivifier. Faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud, regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. C'est possible. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Alors combien de fois je vais mourir pour la mission ? J'aime trop, frère. Reste au sol. Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Arrête, c'est une blague. Attention. C'est une carte du tube, bordel, sérieusement. Hein. Je dégaine. Fight. Au calme. Écroulez-vous comme de la merde. Ok. Vite, vite, vite. Kill. Kill him. Boy. Ok. C'est passé quoi?
Initié, ici Bishop. Tu me reçois? Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas Germain, grand maître des Templiers. Quel Suarez. Sage que nous cherchons. À en croire nos infos, c'est le deuxième sage à s'élever au plus haut échelon de l'ordre des Templiers. Ce qui est plutôt inquiétant. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur Germain. D'accord. Il a survécu à ce grand maître et nous conduira à son cadavre. Bishop terminé. Merci Bishop. Alors, salut à toi, je n'ai pas vu ton pseudo, c'est Lou FR. Salut à toi Lou FR. Ok, ok, ok. Alors ce que je pense de ce AC, tu n'auras pas réellement de surprise. Si tu as déjà joué à Assassin's Creed, je pense que c'est le cas. Je pense que peu de personnes sont passées à côté de la licence. Tu n'auras pas énormément de surprises, peut-être au niveau de l'histoire, parce que voilà, chaque AC, bien évidemment, tout le monde le joue pour son histoire, qui, pour ma part, commençait de plus en plus lassante. Après, le jeu, graphiquement, ça va, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ça va. Le jeu est beau, non, on va arrêter de dire de la merde, le jeu est beau. Question bug, etc. Je sais pas si t'as entendu parler un petit peu de tous ces soucis de bug. J'ai l'impression que les patchs ont un petit peu réglé le souci, même s'il y a quand même de grosses baisses de framerate de FPS. Ou sinon, concernant la gestuelle du personnage, au début c'est tout beau, tout neuf. Le mec saute, il fait des trucs, tu fais waouh et tout. Ils ont amélioré tout ça et tout. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de points positifs sur le jeu, mais aussi beaucoup de points négatifs. Voilà, le gros point négatif, c'est que le personnage qu'on incarne, Arnaud, encore un charisme en carton et voilà quoi, genre c'est terminé, genre les AC où on avait vraiment Desmond et le bon délire, ou voilà, je sais plus quoi dire de ce jeu, sincèrement, je sais plus quoi dire de ce jeu. Je l'aime bien, c'est un jeu qui se laisse jouer, mais c'est pas un jeu qui restera. C'est bon, tais-toi Gabi, retourne dans Desperate. Et j'arrive pas à te sauter de la corde. Voilà, tu vois, des fois il y a des trucs qui se bloquent sur le personnage qui sont vraiment chiants. Quand tu joues, que tu cherches la fluidité sur un AC, tu essayes de sauter sur une corde. J'ai mis 3 minutes à essayer de descendre de la corde, quoi. C'est juste. Limite, c'est vexant. Tu sais, tu te dis putain, genre les mecs ils me prennent pour un con. Le type il saute de partout, c'est un singe, il peut pas se descendre d'une corde, quoi. Salut, j'y crains. Ah mais faut pas comparer les personnages. Ah tu te fais du mal mec, si tu compares Arnaud ou n'importe qui à Ezio gros. Tu te fais du mal mon frère. Alors, où est la mission principale? Le système de combat a été refait, pour certains c'est bien, pour d'autres c'est nul. Moi personnellement j'arrive plus à combattre dans ce jeu. Donc je me sers pour 90% du temps, tout ce qui est fumigène, parce que sans, j'ai l'impression que je peux pas combattre, donc je jette une fumée, je combats. Qui sont les révolutionnaires? Ou sinon, flingue. Oh. Flingue, 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 quoi. Merci beaucoup pour ton analyse, je n'ai pas eu le temps de lire les critiques, mais en tout cas, merci, il n'y a pas de souci, t'inquiète, pas de problème. Après, je vais pas te mentir, l'OFR, je ne suis pas un pur gamer de la mort qui tue, je ne suis pas un fan. Un grand fan, j'ai joué au AC, mais je ne suis pas non plus un fou furieux de la trame scénaristique. Voilà, tu vois, je suis pas un réel fan du jeu, ça reste mon avis personnel. Ce jeu se laisse jouer, mais après, voilà, le conseiller ou le déconseiller, qui suis-je pour te voilà, te dire tout ça, quoi. Donc, après, à toi de te faire des avis via les streams, via des vidéos sur YouTube et quelques critiques, même si, encore une fois, je déconseille en fait. Aux gens de regarder les critiques sur les jeux ou les notations, parce que je trouve que chacun pense que ce qu'ils veulent en fait du jeu, donc après c'est à toi de devoir vraiment te faire ton propre avis, quoi. Vivement Batman Arkham Knight. Oh là là, on parle pas de ça s'il te plaît. Il y en a qui veulent que je meure ce soir en stream. Arrêtez s'il vous plaît les gars. Par contre, si tu veux un très 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 bon jeu qui est sorti très récemment, je te conseille Far Cry 4, même si ça n'a rien à voir avec celui-ci. Mais je te le conseille parce que c'est un très très bon jeu. Je te conseille aussi Dragon Age Inquisition, si tu es fan. Regardez, je tire sur l'ennemi.
Oh my fucking god, quoi. Mais mon dieu, aidez-moi. Alors lui dort. Ok, il dormait, mais il s'est réveillé pour me. What? Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était Edward Kenway, c'était le Jack Sparrow. Pour moi, c'est Jack Sparrow, quoi. Tu l'aurais appelé Jack Sparrow, le bordel. J'aurais dit, ouais, y'a pas de problème, tu vois, 100%. Il aurait appelé Pirates des Caraïbes, le dernier assez Black Flag. J'aurais dit, ouais, carrément, mec. Ne parlez pas de Batman, s'il vous plaît, les gars, sachant que je suis quand même. Je suis fan, je peux le dire par contre de ça, je suis vraiment fan de Batman. Parlez pas de Batman, s'il vous plaît, les gars. Sachant que c'est loin, quoi. Juin, c'est loin, pour moi, c'est très très loin, même si le temps passe très très vite. Laissez-moi tranquille, putain. Dying Light, j'appréhende un petit peu, mais je me languis aussi, ouais. Il y a beaucoup de jeux que je me languis l'année prochaine, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Alors, on essaye même pas parce que ça vaut même pas le coup, quoi. Tu vas faire Dragon Age après? Non, non, je pense pas faire Dragon Age. D'ailleurs, je sais pas quelle heure est-il. Il est 11h. J'arrête le stream dans une heure et demie. Parce que je suis pas trac là en ce moment. Je suis pas très très chaud, les gars. Je sais pas ce que j'ai. Peut-être que je suis enceinte, je sais pas. Mais je suis un peu pas trac là en ce moment. Du coup, j'ai du mal là. J'ai du mal en live. Je pense que j'ai joué à trop de jeux. Je fais une overdose, je crois là. Overdose au jeu. J'ai fait trop de jeux en peu de temps et je sais plus en fait, je sais plus, les histoires se mélangent dans ma tête, je fais plein de trucs, c'est pas très bon tout ça. Je commence à devenir parano. C'est le type, c'est un fou furieux quoi. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon cops? Tu as fait AC2, pour moi c'est le meilleur mec. Quoi, c'est le meilleur. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2 et je me suis arrêté parce que pour moi c'était genre, je voulais pas la suite. Tout simplement. Vous disposez des points, veuillez les dépenser dans je sais pas quoi, ok. Moi aussi, c'est carrément le côté pirate que j'aimais, quoi. C'est n'importe quoi le crochetage, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît. Arrête. Arrête de me parler, arrête. Non, mais c'est même, c'est abusé le crochetage. C'est même Charlie. Ah non, mais ce qui nettoie les vitres, quoi. Bonsoir, Tess. You. A mini French Mexican. Tout à fait, ouais. Grosse pensée à Barbe Noire qui était monstrueux, charismatique. Ouais. Monsieur Mirabeau. Barbe Noire, mon gars. En même temps, tu mets Barbe Noire dans un jeu, c'est obligé qu'il y ait un charisme de fou, mec. Ah, je vais me faire rappeler un bon souvenir là, Gino. Oh, mon dieu. Donc, les gars, pour toutes les personnes qui possèdent une PS3 et qui sont fans de AC, je pense que je ferai gagner ma clé d'AC Rogue. Et voilà, parce que je pense que je la ferai gagner. Donc, si ça vous intéresse, les gars, j'essaierai de faire gagner tout ça vers Noël. J'ai quelques jeux à vous faire gagner. J'ai Alien, si je dis pas de bêtises. J'ai du Alien, j'ai du Crysis 3, j'ai du AC Rogue sur PS3. Je vais essayer de remplir un petit peu la liste, histoire de vous faire plaisir en cette fin d'année. Donc, bien évidemment, ça marche avec les subscribes, les gars. J'essaye de vraiment privilégier ces gens. Je ferai gagner, je pense, peut-être aussi des personnes qui ne sont pas subscribes. Mais ça sera. Non, je pense que ça sera que des subscribes. Parce que moi, je suis des fous. Vous payez un abonnement, bordel de merde. Donc, je vous dois bien ça. Please. Mais qu'est-ce que. Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Alors, découvrons ce qui s'est passé, on se transforme en examinateur. Oh putain. Bon, je vais arrêter de m'enlever. Un mouchoir de dame. Je vois. Donc la moitié des femmes de la noblesse de Paris sont suspectes. Peut-être qu'un domestique. Para, penses-tu bien bavé sur Dragon Age? Je pense, Slenderman. Je pense, c'est énormément, ouais. Elise, c'est pas bête, Arca. C'est pas bête du tout. On se transforme en enquêteur. Sherlock Holmes, nous voilà. Alors attendez, après les gars, je peux pas promettre que j'aurai des jeux pour tout le monde. Hein. Je vais essayer de faire mon maximum. Je fais avec ce que. L'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je fais comme je peux. Il nous met sur la piste. Oh mon dieu. Mais elle est pas rousse en fait, elle est rouge elle. Depuis le début, je la vois rousse quoi. Vous voyez pas venir le spin-off d'Elise, carrément, Belen.
monstrueux même. Ouais, ouais, je le vois venir quoi de... Tu n'as vu personne à ton arrivée? Le major Dom. Il m'a fait entrer, mais il n'est jamais monté. Mais il était là avant toi. Tu as vu d'autres domestiques? Ok, j'ai marché sur les murs, les gars. Personne d'autre. Parlez au major Dom. Alors, j'essaie de parler au major Dom, j'appuie sur rond, les gars. Et regardez ce qu'il me fait, putain. Oui, monsieur. Tu as passé toute la journée ici? Non, monsieur. Je suis arrivé vers 4 heures pour veiller à la livraison de vin. Arrête de tourner, putain! Personne à l'exception de cette jeune femme rousse, monsieur. Elle s'est immédiatement rendue dans le bureau du maître. Et toi, tu n'es pas monté? La livraison de vin n'est pas une mince affaire, monsieur. Je vois. Merci de tes réponses. Quel jeu t'attends le plus? The Witcher 3, mec. Le plus de plus de plus. Voilà, je peux pas dire d'autres jeux. Le plus, le plus, le plus. T'es sûr? Monsieur, tu reconnais ce mouchoir? Ah oui, c'est celui d'Emily. Emily? La servante. J'ai cru comprendre qu'elle a économisé ses gages du mois pour s'offrir ce petit bout de soie. Pour avoir l'impression d'être une dame, m'a-t-elle dit. Et où se trouve cette Emily? Au marché, monsieur. Good night, Poulpe. Merci. Merci, bro. Monsieur. Tout est dans la description, Narek. Tout est écrit, Zenarek. Pour les subs, etc., etc. Tout est écrit dans la description, juste en dessous du player, mec. Le mec a réussi à connaître une femme grâce à son mouchoir. On m'explique, s'il vous plaît. Ah oui, Maui, ah oui, Maui. Faut encore lui parler? Reste ici, j'aurais peut-être d'autres questions. Entendu, monsieur. Genre lui, il s'est pris genre pour un détective, genre lui, j'y reste ici, je sais pas quoi, nanana. Para, après ton ordi, tu vas prendre un écran 4K? Oh non, je pense pas, The Lover. J'en vois pas l'utilité pour le moment, mec. Je suis très très bien comme ça. Tu n'as vu personne à ton arrivée? Le majordome. Après, mec, si j'essaye de faire mon objectif pour le PC, c'est pas parce que, genre, pour me la péter ou faire le mec, hein, c'est juste parce que j'en ai réellement besoin, quoi. Donc il y a que le majordome et lui. Attends, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce? Comment je fais pour aller vers là-bas? Quittez, détecteur en carton. Quoi, détecteur? Enquêteur en carton. Hein, je... Alors pourquoi il me demande d'aller là-bas? C'est chelou, non? Traître! Eh ben, il va falloir payer tes impôts. Allez, débourse ton argent, tu nous le dois. C'est toi, mec, je suis en train de réfléchir là. Ok, d'accord, il y a Emily qui est juste là. Allez-vous voir. Allez vite, l'alerte! J'ai trouvé le corps de quelqu'un! Allez, vite! Gérald, tu te rives, mon gars, sûr. C'est trop ça, Ruben, t'as trop compris, mec. Merci, Yeezy. Je vais aller regarder, je vais lui parler vite fait à Emily. Quelqu'un est-il venu voir ton maître? Ouais, je suis nul, tranquille, quoi. Je crois bien. Monsieur Kemar avait rendez-vous, du moins. Je crois qu'il est arrivé au moment même où je récupérais le linge chez Madame Duval. Merci. Ton aide m'a été précieuse. Eh bien, qu'est-ce à dire, citoyen? Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Je vais te casser la gueule. Je viens de parler à Emily, elle m'a dit que c'était un trou du cul. Pas la moindre trace d'effraction. Donc le tueur était attendu. Un invité, peut-être. Ou un domestique. Je ne sais pas du tout, Lover. Faudrait que j'essaie de le capter avec lui. Mais je ne sais pas. Tu n'as vu personne à ton arrivée? Putain, il me casse les couilles. Le majordome. Il m'a fait entrer, mais il n'est jamais monté. Mais il était là avant toi. Tu as vu d'autres domestiques? Non. Personne d'autre. Pourquoi ils disent d'aller à 29 mètres? Quand tu dis Emily, j'ai l'impression que tu me parles. Non, désolé, Emily, putain, je te parlerai pas comme ça. Oh.
fou, j'ai quand même manqué de respect à la dame. Je ne vous avais rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, mais putain! Salut, ça, tranquille quoi. Ne t'éloigne pas, il y aurait peut-être d'autres questions. Ah, on juge. J'ai passé plus de risques de rester ici en bon moment. Ne t'éloigne pas, il y aurait peut-être d'autres questions. Examinez la scène du crime, j'ai 1 sur 3. Putain, mais merde, t'es sérieux ou quoi, mec? J'ai examiné plein mille de trucs là.